Philippe Segor, vous allez présenter Walek dans le quintet de jeudi. Philippe Walek, premier gros handicap la dernière fois, il s'est très bien comporté. Oui, c'est très bien comporté, il finit cinquième, vraiment pas loin. Il a été très courageux, il a lutté toute la ligne droite, on a même l'impression qu'il peut finir troisième. Juste sur la fin, il se retrouve à la cinquième place. C'était son premier handicap, on avait un numéro en dehors, le cheval avait été un petit peu allant, avait voyagé en épaisseur, mais sa sortie a été concluante. C'est pour ça qu'on continue ? C'est pour ça qu'on continue, les 1500 mètres fibrés sont vraiment faits pour lui. J'espère avoir un bon numéro pour pouvoir me retrouver pas loin des chevaux de tête, mais avec un dos. Et je pense qu'il peut finir plus près que précédemment. Ça veut dire que le numéro de corde peut être déterminant ? Oui, parce que si on a un numéro qui se retrouve trop en dehors, le cheval n'aura pas de dos et risque d'être un petit peu allant et de manquer pour finir. Ça veut dire qu'à cette valeur, il les vaut ? Il vient de me prouver qu'il les valait, donc c'est pour ça qu'on continue. Il est toujours en forme ? Il est même mieux que la dernière fois.